Chère communauté éducative, soyez les bienvenus. Merci de vous joindre à nous sur la Bacadémie. Je suis Bakayoko Bouaké, le fondateur de la Bacadémie. J'ai créé la Bacadémie pour faire face aux problèmes de suivi des élèves et des apprenants en dehors des salles de classe. Pour cela, je publie des vidéos d'explication de cours et exercices de mathématiques et de physique-chimie sur Facebook, YouTube et mon site internet. Veuillez vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant Bacadémie Lab dans la recherche YouTube, à la page Facebook de la Bacadémie en tapant @BacadémieLab sur Facebook. Visitez mon site internet www.bacademie.ci. Les liens d'abonnement se trouvent en bas de chaque vidéo publiée. Vous pouvez visiter aussi le catalogue des activités de la Bacadémie en cliquant sur le lien WhatsApp Business de la Bacadémie en bas des vidéos. La séance d'aujourd'hui va porter sur le premier chapitre de mathématiques en quatrième. Ce chapitre s'intitule « Nombres décimaux relatifs ». Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la séance numéro 1. Je vous informe que cette leçon est divisée en plusieurs séances. Et donc, on y va. Quant à situation d'apprentissage. Dans la bibliothèque d'un collège, un élève d'une classe de 4e découvre dans une revue scientifique les informations suivantes. On va regarder les informations ensemble. Vous avez les distances qui sont données. Voulant recopier ces informations pour les partager avec ses camarades de classe, il constate que certains nombres comportant plusieurs zéros occupent trop d'espace dans leur écriture. Il souhaite savoir si ces nombres n'auraient pas une autre notation. Il en parle à ses camarades de classe. Ensemble, ils sollicitent l'aide de leur professeur de mathématiques, leur sujet d'approfondir leurs connaissances sur les nombres décimaux relatifs. Alors vous voyez, nous voyons ici un nombre qui est kilométrique, on a du mal même à lire. À plus forte raison, savoir l'écrire. L'élève s'inquiète, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'écrire ce nombre? Nous allons voir cette leçon et je crois qu'à la fin, nous pourrons enfin répondre à la préoccupation de ce jeune homme. Grand B, contenu de la leçon. Grand 1, puissance de 10, exposant entier relatif. Petit 1, définition. Soit n, un nombre entier positif non nul. On a 10 exposant n égale à 1, 0, 0, 0 jusqu'à l'infini, jusqu'à n fois. Alors, quand on écrit 10 exposant n, ne paniquez pas quand même n. N là, c'est un nombre. Ça peut être 1, 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être ainsi de suite jusqu'à un nombre indéterminé. C'est quoi on dit n? Bien, donc si vous avez 10 exposant n, ça veut dire que vous placez 1 et puis les zéros que vous allez placer là, c'est n fois. C'est-à-dire un nombre infini qu'on ne connaît pas. Donc ici là, il y aura n fois le 0. Ensuite, on vous dit 10 exposant moins n. Lorsque vous avez 10 exposant moins n, ça veut dire que vous placez 0,0, le nombre de 0 juste après la virgule, avant d'écrire 1, sera tout simplement n moins 1. Alors, et on vous dit en remarque que 10 puissance 0 est égal à 1. Et ensuite encore, je vous dis que lorsqu'on dit 10 puissance, ou bien 10 exposant, on dit la même chose. Nous allons traiter des exercices pour que vous puissiez mieux comprendre ce que nous venons de faire. On dit 10 exposant 4. D'après ce que nous avons vu, lorsque nous avons 10 exposant 4, n égale à 4, ça veut dire que nous allons placer 1 et puis 4, 0. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, quand on écrit 10 exposant 6, ça veut dire que nous allons placer 1. Et puis derrière, nous allons placer 6 zéros. Si on vous dit 10 exposant moins 3,
Ça veut dire que nous allons écrire 0, n ici c'est 3. Si on enlève 1 dans 3, il reste 2. Ça veut dire que nous allons mettre 2 zéros avant le 1. Et ça, on appelle n moins 1. Bon. 10 exposant moins 8, ça va nous donner 0, ici le n c'est 8. 8 moins 1 égale à 7. Alors, on va mettre 7 zéros entre le 1 et la virgule. 0, 1 ici, 2, 3, 4, 5, 7, et puis on écrit 1. J'espère que vous avez compris. On va faire un exercice de fixation pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, solution de cet exercice, 10 exposant 7, c'est égal à 1, puis on ajoute le n ici, c'est 7, on ajoute 7 zéros derrière 1, 2, 3, 4, 7. 10 exposant moins 9, ou bien 10 puissance moins 9, c'est égal à 0 virgule. On a 9 ici comme n. N moins 1, ça va faire 9 moins 1, c'est égal à 8. Ça veut dire qu'on va avoir 8 zéros entre la virgule et le 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et puis on écrit maintenant 1. Ensuite, on continue. On nous donne un nombre ici qui est écrit avec combien de zéros? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zéros derrière le 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est égal à 10 puissance 11 parce qu'on dit que c'est n0 en main derrière. Maintenant, quand on vous donne 0, virgule, nous avons combien de zéros ici? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 zéros avant d'arriver au 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1. C'est égal à 10 exposant. On a dit que le nombre de zéros entre la virgule et le 1, c'est n moins 1. Ça veut dire que le n ici, c'est 6. 6 moins 1 égale à 5. Autrement, vous pouvez compter le nombre de zéros même avant le 1, y compris le zéro qui est avant la virgule. On va nous donner 1. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons 10 puissance moins 6. Bien. J'espère que vous avez compris cet exercice de fixation. Nous arrivons à cette remarque. Soit n, un entier positif, on a 10 exposant moins n égale à 1 sur 10 exposant n. C'est-à-dire, si on vous écrit 10 exposant moins n comme ça, c'est tout simplement 1 divisé par 10 exposant n. C'est 1 divisé par 10 exposant n. Cela nous envoie une propriété, petit 2. M et n sont des nombres entiers relatifs. On dit petit 1, 10 exposant m par 10 exposant n égale à 10 exposant m plus n. Donc ici, 1. On dit 10 exposant m fois 10 exposant n est égal à exposant m plus n. Vous devez connaître ces propriétés-là. À force de faire l'exercice, ça va rester. N'êtes pas obligé de réciter ça par cœur. Il faut faire beaucoup d'exercices. En mathématiques, on fait beaucoup d'exercices. 10 exposant m, le tout à la puissance n, c'est égal à 10 exposant m fois n. Troisièmement, 10 à la puissance m sur 10 à la puissance n, c'est égal à 10 à la puissance m moins n. Voilà. Vous voyez, souvent je dis à la puissance, souvent je dis exposant, je désigne la même chose. Bien, exercice de fixation. Nous allons traiter cet exercice. Petit a, on nous dit de calculer 10 exposant 5 fois 10 exposant 2. Alors, solution, j'écris ici solution. A, 10 exposant 5 fois exposant 2 est égal à 10 exposant. Vous voyez, nous avons une propriété en haut qui se rapporte à ça. M,
10 exposant m fois 10 exposant n. Si m égale à 5 et n égale à 2, alors m plus n égale à 5 plus 2. Donc, on va écrire ici, c'est égal à 10 exposant 5 plus 2 est égal à 10 exposant 7. Petit b, nous avons 10 exposant moins 12 fois 10 exposant est égal, c'est la même chose qu'en haut, 10 exposant m. M ici, c'est moins 12 plus n, c'est. Ça nous donne égal à 10 exposant 12, moins 12 plus 12 égale à 0. Ça nous donne 1. Petit c, 10 exposant 2 sur 10 exposant 5 et 7 est égal à 10 exposant 2 moins 7. Ce qu'on a vu dans la dernière propriété, on dit 10 exposant m. 10 exposant n égale à 10 exposant m moins n. Donc ici, ça nous donne 10 puissance 2 moins 7, ça fait moins 5. Petit d. Petit d. 10 exposant 5 sur 10 exposant 2. Ça nous donne ici 10 exposant 5 moins 2 égale à 10 exposant 3. Petit e. 10 exposant 3, le tout à la puissance 5. On va aller regarder. La propriété nous dit ça donne 10 exposant m exposant n égale à 10 exposant m fois n. M ici, c'est égal à 3 et n égale à 5. Donc, ça nous donne ici, c'est égal à 10 exposant 3 fois 5, égal à 10 exposant 15. Et enfin, petit f, 10 exposant moins 2, le tout exposant moins 5. Ça, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, seulement on a moins, moins. Ça fait 10 exposant moins 2 multiplié par moins 5 est égal à moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 5, ça fait 10. Donc, ça fait 10 exposant. Bien, c'était si c'est terminé. Nous continuons. Nous arrivons à une remarque. On dit remarque, soit n un entier naturel non nul. On a 10 exposant n fois 10 exposant moins n égale à 10 exposant 0 égale à 1. Donc, remarque, soit n un entier naturel non nul, on a 10 exposant n fois 10 exposant moins n égale à 10 exposant 0 égale à 1. N fois 10 exposant moins n égale à 10 exposant n moins n égale à 0. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademie.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.